Je fais une petite vidéo sur sur quoi on verra bien. En introduction, je dois dire que je n'aime pas trop les juifs. Eh ben, je pense que vous m'en voulez pas trop. Je pense aussi que c'est pas encore obligatoire de les aimer. Pourquoi je les aime pas, c'est pas le sujet maintenant ici. Bon, c'est pas que je sois très haineux en général, ni envers les juifs, c'est pas ça le problème, mais j'ai pas beaucoup de raisons de les aimer. Enfin, ça on verra une autre fois, pourquoi. Mais je pense pas que ce soit un problème. Il faut personne doit aimer d'autres gens, hein? Ça peut être un autre n'aime pas les Chinois. Où est le problème, hein? Je pense pas qu'il y ait un problème avec ça pour personne. Le deuxième point, c'est que bon, on entend souvent les juifs, on ne peut pas dire ça, qu'on peut pas aimer les juifs. Eh ben, si. C'est un groupe quand même. C'est un groupe. C'est un groupe assez bien défini. Donc, on peut parler de ce groupe. Et quand je dis je n'aime pas les juifs, c'est en tant que membre de ce groupe. C'est tout à fait légitime de dire ça. C'est évident qu'il y a des personnes plus ou moins sympathiques, pour moi, hein, je parle très subjectivement. Bien sûr, il y a certainement des juifs que je pourrais bien aimer individuellement, hein, bien sûr. J'ai aucun problème avec ça. Mais quand ils forment un groupe, eh ben, là, je trouve ça plutôt antipathique, hein, pas très sympathique. Hein. Bon, alors voilà, parce qu'on entend souvent, tu peux pas dire ça, il y a des gens, des juifs très bien, tous les peuples, tous les groupes, dans tous les groupes, tu as des personnes sympathiques ou antipathiques ou bien ou mauvais. Ben oui, d'accord, et alors, ça n'empêche que il y ait un groupe qui s'appelle les Juifs. Et s'ils veulent, s'ils trouvent pas bien ça, que d'autres les trouvent pas bien en tant que Juifs, en tant que membres de ce groupe, ben, si c'est important pour eux qu'ils réfléchissent, je sais pas, ils peuvent toujours sortir ou partir de ce groupe, hein. Et voilà, parce que moi, plus que les juifs, j'aime les gens qui ont quitté ce groupe. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Un exemple, c'est Gilad Atzmon. Hein. Un exemple très rare, hein, il faut dire. Mais j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui quittent ce groupe. Il y a d'autres dans l'histoire. Voilà. Bon, ça c'est pour l'introduction. Maintenant, voilà, alors j'aime pas les juifs en tant que groupe, mais il se trouve que j'ai ou tous mes professeurs ou comment dire, maîtres, c'est un peu trop, ce sont pas mes maîtres, mais mes professeurs, en allemand on dit mein Lehrer, hein, mes professeurs, et moi je suis écolier, où j'étais écolier de ces gens-là, tous mes professeurs qui m'ont appris beaucoup de choses que j'ai lues, dont j'ai lu leurs livres très intensément et avec des suites, hein, pas seulement lire des livres, avec des suites. Hein. Peut-être on en parlera.
Eh bien, ce sont des juifs. Bizarre, mais c'est comme ça. Et ben, j'ai jamais renoncé à les suivre ou les lire ou de m'en occuper avec leurs pensées, leurs livres, etc., leurs œuvres. Eh ben, c'est clair, jamais la vie, je ferai l'amalgame entre le fait que j'aime pas les juifs, de ne pas lire certains auteurs juifs ou de les trouver bien. Bon, il faut dire que dans certains milieux, on n'est pas apprécié pour ça. Il faut, dans des milieux antisémites, etc. Hein. Moi, je m'appellerai pas antisémite, par exemple. Hein. Enfin, alors voilà, ça c'est une chose évidente et importante aussi dans ma vie. Eh ben, je vais maintenant nommer ces deux personnes hein, qui étaient très importantes, qui jouaient un grand rôle dans ma vie, dans mon évolution, si vous voulez. C'est Wilhelm Reich, hein, l'écolier, encore le mot qui me manque là maintenant. Il était Schüler von écolier de Sigmund Freud. Hein. Et un autre juif d'ailleurs. Et le deuxième, c'est Arthur Janoff, comment le prononce en français, Arthur Janoff in English. Voilà, lui aussi, c'est un juif. Et Arthur Janoff, il est un peu dans la tradition de Wilhelm Reich. Hein. Je ne pense pas que Arthur Janoff aurait pu exister sans Wilhelm Reich. Hein. Mais enfin. On va pas approfondir ça maintenant. Mais voilà. Mais on pourrait l'approfondir parce que ça nous mène maintenant dans le centre de ce que je veux élaborer ou que je veux parler dessus. Hein. Excusez-moi mon français, ça fait maintenant 30 ans que je suis parti de France. Bon. Alors, c'est pas un hasard que mes professeurs soient des juifs. Parce que, on peut dire, de toute façon, on a vécu dans le 21e siècle, ou dans le 20e siècle, dans un siècle plus ou moins juif, hein, influencé par beaucoup de juifs. Hein. Et surtout, dans l'après-guerre, moi en tant qu'Allemand, on était beaucoup sous l'influence des Juifs. Hein. Comme on avait perdu la guerre et les Juifs l'ont quasiment gagné, il faut pas oublier que l'Allemagne a été rebâtie après la guerre sous égide ou sous contrôle des Juifs. Hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comme je sais tout ça, hein, comme je ne suis pas con et que je peux observer ce qui se passe, ce qui s'est passé, eh bien, pourtant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais renoncé à mes. Mais influences de la part de certains penseurs juifs. Et j'ai aucun problème avec ça, aucun. Hein. Ça, c'était jamais une contradiction hein, de dire que un certain groupe a influencé ou même opprimé un autre groupe dont je fais partie. Ça m'empêche nullement de voir des gens bien, ceux qui peuvent m'apporter, pourquoi pas. Maintenant, il se trouve que Wilhelm Reich, lui-même, eh ben, il faisait pas non plus partie de ce groupe à la fin. Hein. À la fin de sa vie, il est devenu catholique. Hein, il faut pas l'oublier. C'est un peu comme Gilad Atzmon, il a quitté ce groupe. Hein. Reich n'était jamais vraiment. Dans sa jeunesse, il était sioniste peut-être, hein, oui, certainement. Mais ça ne jouait pas un grand rôle. N'empêche, dans ses écritures, dans les années
dans les années 20, il y a une figure juive qui apparaît et que j'ai lu à l'époque. Ça ne m'a pas dit grand-chose quand j'étais jeune, mais je me rappelle bien, il y avait un personnage, une figure, il faut dire, qui s'appelle le tzaddik. Hein, le tzaddik, c'est un mot hébreu. On verra plus tard ce que ça signifie, ce qu'il y a de ce tzaddik. Hein. Eh bien, et... voilà comme mes professeurs, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Et voilà, d'abord l'autre, Arthur Janoff, est juif aussi. Mais enfin, lui, ça ne joue aucun rôle, je pense pas. Hein. Dans ses écritures, dans son travail, ça joue un certain rôle, mais on va parler aujourd'hui pourquoi, qu'est-ce qui est juif dans son approche, etc. C'est pas la question maintenant non plus. Mais, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler, lui, du peuple juif, ça n'a aucune importance hein, dans son œuvre. D'une certaine manière, oui, mais enfin, on ne va pas parler aujourd'hui de ça. Eh bien, mais tous deux, si vous voulez, on peut dire aussi hein, que leurs travaux sont dans une certaine tradition juive. Hein. Et là, j'introduis un terme très important dans cette matière, c'est le tikkun olam. Hein. Je pense que ça se prononce comme ça, je ne parle pas hébreu, mais le tikkun, brièvement, hein. Moi je dis tikkun, hein. Mais le vrai terme c'est le tikkun olam. Et qu'est-ce que c'est le tikkun olam, si je le prononce bien maintenant, ça veut dire la réparation. La réparation de quoi? Finalement, la réparation du monde. La réparation des êtres humains, des gens, hein, avec leur maladie, je sais pas, avec leur malaise, etc. Eh bien, c'est la réparation, le tikkun. Et le tikkun, ça joue un très grand rôle dans l'esprit ou dans la théologie ou l'idéologie juive. Hein. Et on peut dire, d'une certaine manière, que le tikkun s'est exprimé dans le XXe siècle dans l'apparition de certains gens intellectuels, etc., qui ont traité des malaises des êtres humains. Hein? Donc c'est ça un peu la racine de la psychanalyse, etc., on peut dire ça. Donc, ça fait partie, ou ça s'inscrit dans cette tradition du tikkun, de la réparation du monde. Et moi je trouve que si on peut parler de certains problèmes au niveau individuel, psychique, existentiel, etc., pour ne pas dire économique, Karl Marx par exemple, c'est un autre exemple pour un tikkun, je pense qu'on peut dire ça, hein. Mais ça c'est plutôt au niveau économique, politique. Hein. N'empêche, Karl Marx, dans ses premiers écrits, hein, il y avait le terme central, c'était la Entfremdung, alors la aliénation, hein, aliénation, je crois on dit, Entfremdung. Donc, même Karl Marx partait d'un point de vue individualiste ou psychologique même hein, dans ses travaux. Ok, je voulais juste dire que ça concerne tous les terrains ou tous les domaines de notre vie. Hein. Mais je veux maintenant un peu me spécialiser sur le domaine de la psychologie ou de la psychothérapie, etc. Hein, où on peut dire que ces deux penseurs, d'autres aussi, beaucoup d'autres aussi, de la psychologie du XXe siècle, Alfred Adler,
Erich Fromm, tout ce que vous voulez, c'est pratiquement que des juifs. Hein. Et, mais enfin, pour moi, ces deux juifs étaient importants pour moi, dans ma vie. Hein. Et on peut dire, alors je me répète, que on peut interpréter leurs travaux comme, comme élément, si vous voulez, d'une tradition, hein, du tikkun, de la réparation du monde. Et pourquoi les juifs ont mérité, ou avec bonne raison, on peut dire que ce sont eux qui jouent un grand rôle là-dedans, dans la réparation du monde, même pour nous non-juifs, goy, il n'y a pas seulement moi, il y a des millions de des gens qui ont suivi ces juifs. Pourquoi ils avaient cette influence? On peut dire maintenant, ok, parce qu'ils ont gagné la guerre, etc., etc. Ça, c'est vrai aussi, mais il faut admettre que, eh ben, ils ont un peu, ils sont un peu doués pour la réparation du monde. D'où ça vient? Eh bien, je suis adepte d'un écolier de Wilhelm Reich qui s'appelle James de Mille. C'est un Reichien, un Américain, qui est un géographe d'origine, hein, mais en tant qu'écolier de Wilhelm Reich, il est devenu multidiscipliné, hein, si j'ose dire. Et ben, il a une thèse que je souscris, si vous voulez, ou que je trouve convaincant, fascinant, expliquant les choses, la malaise ou le dommage, non, les problèmes qu'on a, hein, qu'il faut réparer. Eh bien, cette thèse s'appelle Saharasia. Je vais mettre un lien là-dessus. Mais vous pouvez le rechercher vous-même. Saharasia, ça, c'est un mot qui consiste du mot Sahara et Asia. Hein? Sahara, le désert qui va de la Mauritanie, hein, de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'en Chine. Le désert Gobi, hein, ou je sais pas, bon, enfin, c'est un grand, une ceinture, si vous voulez, un très grand, très vaste, une surface qui est désertée, hein, qui forme un désert. Désert, pas dessert. Et la thèse Saharasia, elle consiste en fait, elle dit, nos malaises viennent du fait que, dans un temps, je ne sais pas, 5000 ou 6000 ou 10000 ans avant nous, eh bien, tout ce territoire qui est déserté aujourd'hui, ou qui forme un désert, n'était pas un désert à l'époque. Et c'est prouvé par des archéologues, etc. Et je pense que c'est assez... il n'y a pas beaucoup de discussions là-dessus, que tout ce territoire était très beaucoup de plantes, etc. Complètement normal, hein, avec son désert. Et bien, quand ce désert est apparu à cause des influences cosmiques, je ne sais pas, on ne sait pas, hein, certainement, c'est en rapport avec le cosmos, ça a donné une rupture dans la vie ou dans l'évolution, si vous voulez, des humains, des êtres humains. Et une rupture assez... dramatique, avec beaucoup, beaucoup de suites, hein, beaucoup, beaucoup de choses qui ont suivi.
En fait, toute la vie a changé depuis ce moment-là. Et je ne veux pas maintenant ici faire un discours sur cette thèse. Je vous invite à la rechercher vous-même, à lire cette thèse. Très intéressant. Mais maintenant, je reviens sur la question juive. Alors, James DeMille, il dit que dans ce temps-là, quand ça a changé, quand la végétation s'est transformée en désert, alors il s'est passé beaucoup de choses au niveau des êtres humains, des groupes, de la sociologie, et surtout de la psychologie. Enfin, brièvement parlé, la violence est rentrée. Disons beaucoup de violence, peut-être avant qu'il y avait la violence aussi, bien sûr, il y a, je ne sais pas, des tribus ou des individus qui se sont battus pour une femme, je ne sais pas, pour manger, pour tout ce que vous voulez. Mais après, eh ben, le territoire qui a donné à manger, quand c'est devenu désert, eh bien, il fallait aller ailleurs. Ça, c'est une raison, et il fallait se battre beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Mais il y a d'autres raisons pour la venue d'une grande violence. Ce n'est pas seulement les ressources, etc., mais c'est aussi dans les familles, dans les tribus, dans les clans, etc. Mais il faut que vous lisiez ça vous-même. Mais pour nous, pour maintenant, ce qui est important, c'est il y a donc des peuples qui sont sortis de ce désert pour retrouver à manger, etc., ailleurs, dans le nord, en Europe, dans le sud, plus vers le sud. Hein? Ils ont fui ce désert. Et ça, à plusieurs reprises. Bon, en Allemagne, chez nous, on dit les Hunnenstürme, hein, ou des Mongols, etc. Ils sont tous venus du désert ou de la steppe pour nous faire chier, pour nous. Vous pouvez bien imaginer pourquoi ils sont venus. Hein. Mais, alors, James DeMille, il parle aussi, bien sûr, des Arabes, etc., des Turcs, mais bon, il ne parle jamais des Juifs. Les Juifs, eux, aussi, sont venus du désert. Pourquoi il ne parle pas des Juifs? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il est Juif lui-même, ça ne m'étonnerait pas. Mais enfin, James DeMille aussi, à première vue, c'est un nom italien. Et, mais en bref, ça ne fait rien. Parce qu'on ne va pas juger les thèses, etc., d'après les origines. Hein. En tout cas, c'est sa thèse de Saharasia, c'est ultra intéressant. Il ne parle pas des Juifs. Alors, il aurait dû parler des Juifs. C'est un grand manque. Hein. Je pense qu'il est même maintenant, depuis aussi 15 ans, très critique envers l'islam, etc. Alors qu'autrefois, les Reichiens étaient plutôt de gauche, plutôt globalistes, plutôt cosmopolites, etc. Alors il y a certains Reichiens maintenant, ou les anciens Reichiens, qui se sont transformés, qui sont un peu arrivés à droite. Hein. Alors ils sont très critiques envers l'islam, et envers l'immigration, etc. James DeMille, lui aussi. Mais il n'est pas critique envers les Juifs. Et on revient maintenant sur le Tikkun. Qui? Alors, on était beaucoup, beaucoup sous l'influence de ces peuples venant du désert. Hein, à ce moment-là, autrefois, sous l'influence des Mongols, sous des Arabes, des Juifs aussi, hein, bien sûr. Et qui ils nous ont transformés aussi.
Hein, en venant chez nous, ils nous ont apporté plein de trucs. Des trucs civilisationnels, hein, la civilisation en fait. Hein, notre civilisation vient de l'agriculture dans la Mésopotamie. Hein, ça, on le sait. Et jusque-là, nous vivions en Europe plutôt dans un contexte très naturel, hein, en harmonie plus qu'après avec la nature. Et donc, ils nous ont transformés. Hein, ils nous ont apporté, la révolution néolithique. Hein, la révolution néolithique partait des points géographique dans le sud, dans ce territoire saharasien. Hein, c'est là qu'il fallait réfléchir comment on peut survivre. Hein. Il n'y avait pas que les peuples qui se sont fuis, qui ont fui le désert et qui ont envahi les territoires non désertés, mais il y a d'autres qui sont restés sur place. Ils ont découvert qu'en mettant des graines dans la terre ou dans les oases, au moins qu'il y a des plantes qui poussent, hein, par exemple. Beaucoup plus de phénomènes hein, qui sont venus pendant la, ou après la révolution néolithique. Alors, si vous voulez, les peuples du désert nous ont civilisés. On a changé. Pas pour le bien, je trouve. Et maintenant, ce qui est maintenant décisif ou très intéressant, c'est que qui d'autre que ces peuples sauraient, c'est le conditionnel de savoir, oui, sauraient mieux ce que c'est la réparation, saurait mieux les maladies. Et c'est pas une surprise d'apprendre que les grands médecins, c'était des Arabes. Les grands scientifiques, mathématiques, tout ce que vous voulez, c'était des Arabes. Nous, on parle toujours, on a des chiffres arabes, etc. Je ne vais pas vous raconter tout ça, ça vous le savez vous-même. Donc, il n'est pas surprenant du tout que nous, les peuples d'Europe, envahis par les gens du désert, et qui étaient sous l'influence, ou qui ont changé leur vie sous l'influence des néolithiques venant du désert, eh bien, on est devenu comme eux. Mais eux, ils avaient beaucoup d'avance sur nous en traitant les problèmes de la transformation d'une vie plus naturelle en une civilisation. Et il n'est pas surprenant du tout que ce soit eux qui ont plus d'expérience, qui avaient plus d'expérience, plus de savoir sur les problèmes, qui sont venus avec cette transformation, avec cette révolution néolithique. Et c'est évident que c'est eux qui étaient à la tête aussi, si vous voulez, des mouvements de réparation. Hein? Il y avait des problèmes. On avait des problèmes tout d'un coup. Eux, ils avaient le problème avant nous, puisqu'ils ont fui le désert. Après, c'est nous, ils nous ont apporté ces problèmes, leurs problèmes. Hein? On a changé complètement. Eh bien, c'est eux aussi qui connaissent ces problèmes mieux que nous, et depuis plus longtemps que nous, beaucoup plus de traditions, leurs écoles, que nous. Alors, c'est pas surprenant que
les représentants de cette volonté de réparation. C'est pas surprenant que ce sont des juifs. Du tikkun, c'est les juifs, les arabes. Maintenant, c'est plutôt les juifs, c'est plus tellement les arabes ou les musulmans. Voilà. Et maintenant, cette réparation, il y a quelque chose de bien là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Il y a des juifs qui interprètent ce truc de tikkun, ils l'interprètent d'une autre manière. Hein. C'est pas bien. Hein. Ils croient nous apporter du bien, un tikkun, par exemple, en nous donnant un gouvernement global, par exemple. Hein. Bon. George Schwartz, hein, qui est connu sous son nom maintenant Soros. George Soros, par exemple, ça c'est un représentant d'un autre tikkun, hein, qui interprète ça d'une autre manière. Ils disent que, bon, alors, tous les problèmes qu'on a en tant qu'être humain, en tant que monde, eh bien, ça va se résoudre en formant un gouvernement mondial, hein, en détruisant les nations, en détruisant les cultures, etc. Ça, vous le savez, tout ça. Mais il n'empêche que cette tradition du tikkun, de la réparation des maux, va dans un autre sens, et je trouve dans un bon sens, chez les juifs. Hein? Et ça, Sigmund Freud, je suis très critique envers Sigmund Freud, hein? Enfin ça c'est un autre sujet, c'est un autre sujet, mais je veux dire, cette école de Sigmund Freud, il en sortait pas mal de choses, de très bonnes choses. Qu'est-ce qui est bien dans cette école, dans une branche, ou dans une certaine tradition de cette école? Eh bien, quand je vous ai parlé d'une suite ou d'un résultat de cette transformation d'une terre riche et vivante dans un désert, c'était surtout au niveau psychologique, hein, à cause de la situation avec la mère, etc. Le patriarcat est venu. Bon, c'est pas notre sujet maintenant. C'est très vaste, c'est très compliqué cette histoire. Enfin, le résultat était qu'on avait des problèmes psychiques après. Et on peut dire la nature de ces problèmes psychiques, l'essentiel de ces problèmes, c'est que on est schizophrène, tout d'un coup. On est divisé, on est séparé en deux ou en plusieurs personnes. Ça, c'est l'essentiel. On ne peut plus être naturel. On est divisé entre notre nature, nos désirs, etc. et un certain comportement qui résulte de l'oppression de cette nature. Bon, je sais que vous connaissez cette thèse et vous la critiquez beaucoup. Je sais, je suis au courant de la pensée de droite, hein, qui est très critique et qui dit cette école de Francfort, etc. Elle nous a apporté que des mots. Eh bien, justement, Wilhelm Reich ne faisait jamais partie de l'école de Francfort. Arthur Janov, pas non plus, mais il était en Amérique un peu plus tard, hein, ça ne joue aucun rôle. Mais beaucoup de gens font l'amalgame entre le reichianisme, Wilhelm Reich, et l'école de Francfort, n'importe quoi, hein, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Bon, enfin, c'est pas important maintenant. Important, c'est que, je disais donc, il n'est pas surprenant que dans cette volonté du tikkun, bon, je pourrais dire aussi la réparation, notre thérapie, si vous voulez, ou notre guérison, ou notre salut, etc. Bon, j'emploie le terme hébraïque maintenant, le tikkun. C'est pas un hasard que ce tikkun, dans ce tikkun, il y a des personnalités juives, au premier rang.
Parce que finalement, ils savent de quoi ils parlent, ils connaissent le mieux la matière. Plus que nous. Et c'est Reich, et plus tard Janov, qui sont les représentants d'une volonté ou d'une école de libération, si vous voulez, d'émancipation de l'individu. C'est-à-dire de le redonner l'unité, hein, son unité, qu'il soit plus séparé, que ses désirs, que sa nature, si vous voulez, ses émotions, sa biologie, ne contredit plus son comportement social, etc. Hein, c'est ça l'essentiel. Il n'y a plus d'aliénation. On revient sur Karl Marx maintenant. Et je pense, moi, que ces deux gens, Wilhelm Reich, Arthur Janov, sont allés le plus loin dans cette démarche. Ils étaient les plus radicaux dans cette démarche. Moi, je poursuis cette démarche. Je l'approfondis encore plus, même si je ne suis pas juif. Et voilà. Et je pense que dans une réparation, d'une guérison, si vous voulez, on peut utiliser le terme tikkun. On peut. Hein? Parce que ce sont des juifs. Et parce que ça s'est inscrit dans leur tradition de réparation du monde. Qui est cassé depuis est venu le désert. Et la révolution néolithique. Maintenant, on peut dire aussi que leur messie joue un rôle là-dedans. Hein, il va régler les problèmes, il va nous sauver, si vous voulez. Hein. Et par hasard, l'autre jour, je tombais sur une vidéo d'un rabbin. Les Français disent Rav. Hein, Raphaël Sadin, il s'appelle. Je regarde de temps en temps un peu les certains vidéos de certains raves, de rabbins ou rabbines. Il y a d'autres qui sont plutôt guerriers envers nous. Hein, et ils ne veulent pas du bien pour nous, Européens. Mais moi, je ne connais pas trop ce Raphaël Sadin. Je sais qu'il vit en Israël, mais il est français, il parle très bien français. Et ça m'a surpris, c'est un mec, je ne sais pas encore s'il est bien ou mauvais. Il est très intéressant, il est très intelligent et il a un bon cœur, je crois. C'est un bon, je crois, mais j'ai seulement regardé une seule vidéo. Et pendant ces vidéos, eh ben, ça m'a fait réfléchir ou ça m'a donné des idées. Et maintenant, on vient au sujet de cette vidéo. Et je voulais faire une vidéo. Je voulais répondre à ce qu'il dit. Et ça commence, sa vidéo commence avec la question, où la vidéo s'appelle le Mashiach, le Messie, le Mashiach, je crois, il s'appelle. Prononce ça comme ça, est-il déjà parmi nous? Bonne question. Bon, ça se discute souvent chez les juifs ou les non-juifs qui observent un peu la situation chez les juifs, mais ça devient très intéressant cette vidéo. Alors, est-ce que le Mashiach est parmi nous? Bah, la réponse elle est très simple, c'est oui. Mais attention. Il dit le Messie est déjà parmi nous. Il est parmi nous, d'abord parce que dans chaque génération, pratiquement à partir d'une certaine époque, sans rentrer dans les détails, il y a un Mashiach par génération qui nous attend, qui attend à la porte, et qui est prêt à venir à chaque instant. Mais aussi, on en parlera à la fin, parce qu'il y a beaucoup de signes, je ne suis pas du tout de ceux qui annoncent le Mashiach tous les deux minutes, bien que j'admire beaucoup ces gens-là qui ont une espérance tellement extraordinaire du Mashiach, qu'ils le voient arriver tout le temps. Alors, il est aussi rigolo, hein, parce que... Wo ist denn mein... Scheiße.
Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion du Mashiach. Et on va voir que ce n'est pas si simple. Tout d'abord, on part du premier schéma. Quand Dieu a créé le monde, et on va voir que c'est très important, il n'y avait pas de place, puisque la lumière de Dieu envahissait tout, la totalité de la possibilité même de l'être. Donc pour que le monde puisse être créé, Dieu a retiré sa lumière, ce qui a créé un espace radicalement vide, qui s'appelle le Chaloul, le Chalal HaPanoui. Chalal HaPanoui, c'est un espace vide, radicalement vide. Et dans cet espace vide, il a créé l'univers entier, notre planète, mais aussi les galaxies, toutes les galaxies, tout l'univers. Moi, je pense qu'il parle du temps pré-néolithique. Je pense. Ça vous surprend peut-être, mais toute cette cosmologie, toute cette histoire de genèse du monde, etc., le fait de se faire une tête ou de penser là-dessus, toute cette religion, eh bien, c'est venu après. Avant, je ne pense pas qu'on s'est demandé des questions pareilles. C'est pour ça que ça vous surprend peut-être, mais le vide, ce qu'il appelle le vide, bon, ça c'est le temps pré-néolithique, je crois. Ça n'a rien... Vous allez dire, non, il parle de la création du monde, il parle du début, les premières secondes. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que ces questions d'où viennent-nous, qui est Dieu, qui nous a créés, je pense que ces questions-là, hein, ce qui dit, eh bien, ça c'est un résultat de la révolution néolithique. Le Messie s'inscrit dans une notion de réparation. Très important. Hein? Le Messie s'inscrit dans une, je sais pas, tradition de réparation. Hein? Il parle maintenant du tikkun. Hein? Le Messie, c'est lui qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va nous sauver, qui va nous réparer. Par définition, toute création, vous savez que le monde est basé autour création, révélation, rédemption. Création, comme on a dit, c'est presque un scandale, puisqu'il ne devait y avoir rien d'autre que de Dieu. Et à la place de Dieu, Dieu a créé quelque chose qui s'appelle le monde. Voilà. On parle du monde comme il est. Et moi, je dis le monde comme il est, tout d'un coup. La révélation te fait comprendre qu'il n'y a que Dieu. La rédemption va faire en sorte que la création ne soit pas en contradiction avec l'omnipuissance, l'omnipotence divine. Voilà. Il parle maintenant de l'unification ou de l'unité entre la création, avec tous les problèmes, et la rédemption. Le tikkun du Mashiach, c'est... De montrer comment, et ça on ne comprend pas nous encore, il faudra un degré de perception incroyable, extraordinaire, pour comprendre cela, en quoi la création n'enlève absolument en rien, malgré la liberté de l'être créé, n'enlève absolument rien à En Od Milado, il n'y a que Dieu. Bon, on va faire ça demain.